Bienvenue à cette édition du journal. Clôture ce mardi 27 mars 2024 de la session extraordinaire du mois de février 2024 de l'Assemblée provinciale de la Tchopo. Une cérémonie de clôture marquée par l'installation du bureau définitif de cette troisième législature provinciale. Les peuples Teke et Yaka ont décidé de fumer les calumets de la paix. Les deux communautés ont accepté de reprendre leur cohabitation pacifique. Une décision prise à l'issue des travaux de la commission ad hoc mise en place par le vice-ministre en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Nouvelle session d'information sur Digital Congo Télévision, mesdames et messieurs, merci de choisir la télévision numérique pour vous informer. Nous débutons cette édition du journal avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo avec cette prise de parole du porte-parole militaire du secteur opérationnel en Ituri, le lieutenant général Jules Ngongo, qui a annoncé la progression spectaculaire des forces armées de la République démocratique du Congo qui techniquement sur terrain ont réalisé des importants d'avancer, mettant ainsi en déroute les ennemis, à savoir les rebelles des groupes armés Codeco, mais aussi Zaïre. Il s'agit en effet de la prise de la localité de Café et Bongui, située sur les littorales du lac Albert. Nous sommes en province de l'Ituri, jadis sous occupation de ces rebelles Café et Bongui, et sous occupation de ces rebelles Codeco, mais aussi Zaïre. Et les porte-paroles militaires du secteur opérationnel en Ituri a aussi souligné que les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont pu accomplir cet exploit grâce à l'opération dénommée Tolérance Zéro dans cette partie de la République démocratique du Congo. Puisqu'on parle sécurité, on reste dans ce dossier avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Toujours, les sujets étaient au centre du briefing de presse co-animé ce lundi 26 mars 2024 entre les ministres en charge des affaires étrangères, mais aussi le porte-parole du gouvernement, qui souligne bien que les M23 soutenus par les Rwanda progressent, élargissant leur influence dans la province du Nord Kivu. Cela n'a pas empêché le gouvernement congolais de la République démocratique du Congo à réaliser des avancées énormes dans les volets diplomatiques, toujours en quête de la restauration de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Plus de détails avec Alain Linoumba. Nous combattons le Rwanda. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, se dit très optimiste quant à l'aboutissement du processus de paix auquel la RDC s'est engagée depuis quelque temps. Il l'a fait savoir au cours d'un briefing presse qu'il a conjointement animé avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembui, dans la soirée de lundi 25 mars 2024 à Kinshasa. Au cours de ce face à la presse, le chef de la diplomatie congolaise est revenu sur les dernières démarches diplomatiques menées par la RDC sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui selon lui se bat corps et âme pour mettre fin à l'activisme de Paul Kagame, président du Rwanda et parrain du M23. Nous avons réussi à faire basculer l'opinion de ceux qui pensaient que tout ce que Kigali racontait était des paroles d'évangile. Avant nous, connaissez-vous un seul pays au monde qui a dit au président Kagame, retirez vos forces de la RDC. Il y a eu le plan Marshall à l'époque et tout. Je ne connais pas un pays qui construit sa sécurité en ne comptant que sur les efforts extérieurs. Concernant la question du prochain dialogue voulu par la feuille de route de Luanda, Christophe Lutundula a réitéré la position de la République démocratique du Congo, plusieurs fois rappelée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Le dialogue, oui, mais dans des conditions acceptables. Si dialogue il y a, il doit être organisé entre la RDC et le Rwanda. Concernant la réunion paix et sécurité qui se tiendra le 4 mars 2024 au niveau de l'Union africaine, Christophe Lutundula a rappelé qu'il sera également question d'examiner entre autres la situation de la République démocratique du Congo, surtout quand on sait que le Conseil de paix et sécurité, c'est l'organe de l'Union africaine censé connaître tout ce qui se passe au niveau des États membres.
sécurité toujours. Cette fois-ci, on évoque les conflits Teke et Yaka. Les deux communautés, comme je vous l'ai annoncé au sommaire de cette édition du journal, ont accepté de cesser les hostilités et reprendre leur cohabitation pacifique d'antan. C'était une décision prise à l'issue des travaux de la commission ad hoc mise en place par les ministères en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières, des assises qui se sont clôturées ce lundi 26 mars 2024. Alain Linomwamba. Organisé dans le but de rétablir la paix dans les provinces de Maïndombe, Kwilu, Kwango, Kinshasa et Congo central, victimes des conflits Teke-Yaka, les travaux de la commission ad hoc mise en place quant à ce sous l'égide du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, se sont clôturés sur une note positive. Les deux communautés en conflit ont fumé le calumet de la paix. Pour ce faire, des résolutions contenues dans un document intitulé « Acte d'engagement global inclusif pour la paix et la stabilité dans les provinces de Maïndombe, Kwilu, Kwango, Kinshasa et Congo central ont été adoptées. Nous venons d'adopter des documents importants. Il s'agit du rapport sur la manière dont nos réunions se sont déroulées, mais aussi un acte d'engagement souscrit par tout le monde, lequel acte d'engagement reprend des décisions que les deux parties ont prises, notamment la cessation des hostilités et le retour de la paix à Kwamout, dans les Kwilu, et puis Kinshasa et les Congo central, partout où la paix publique a été troublée. La primeur du contenu de l'accord trouvé est réservée au chef de l'État et les deux parties concernées procéderont à la signature du document devant lui dans les prochains jours. Signalons par ailleurs que ces assises qui ont duré 3 jours ont réuni près de 200 personnes, dont les chefs coutumiers Teke-Yaka, les notables de ces deux communautés, les représentants de la présidence de la République, les experts de la présidence de la République, ainsi que les représentants des provinces affectées par ce conflit. Clôture ce mardi 27 mars 2024 de la session extraordinaire du mois de février 2024 à l'Assemblée provinciale de La Tchopo. Une cérémonie de clôture marquée par l'installation du bureau définitif de cette troisième législature dans la province de La Tchopo. Séraphin Touminani pour ce reportage depuis la ville de Kisangani. Les 5 députés provinciaux élus, membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de la province de La Tchopo, ont été installés ce mardi par le président du bureau d'âge, l'honorable Prosper Tangulia. C'était au cours de la plénière marquant l'installation du bureau définitif et la clôture de la session extraordinaire de février 2024. Dans son discours, l'honorable président Mateus Kanga a félicité le bureau sortant pour le travail abattu avant d'annoncer les axes prioritaires de son bureau. 6 axes prioritaires à savoir respecter et faire respecter les textes et les lois, équité entre les droits et les devoirs des élus provinciaux, renforcer les capacités des honorables députés provinciaux et du personnel administratif, améliorer le contrôle de l'ordre des députés provinciaux et de l'ensemble du personnel, gestion orthodoxe des ressources de l'Assemblée provinciale, sécurisation de la paix mandat des députés provinciaux. Ces 6 axes constitueront donc la motion de ce quinquennat. Invitant ses collègues à œuvrer pour le bien-être de la population, Mateus Kanga met en garde tout candidat sénateur ou gouverneur qui chercherait à acheter la conscience des élus du peuple. Nous ne sommes pas venus en politique pour nous enrichir. Nous sommes venus pour servir les peuples et apporter des solutions d'être le candidat gouverneur. Il pense que le gouverneur est une entreprise d'investissement illicite. Prenez des dispositions pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Car ils n'ont aucune chance de voir les rêves se concrétiser. L'aide de l'achat des consciences est dévolue. L'aide de l'achat et l'autre pamba est dévolue. C'est le moment que chaque personne. Pour la session extraordinaire de février 2024, bien qu'il y a eu quelques difficultés, l'honorable Prosper Tangulia a qualifié de positif le bilan du travail abattu, car indique-t-il, toutes les 4 missions qui leur ont été confiées, ils les ont accomplies.
On quitte la province de La Tchopo pour nous rendre à présent au Lualaba où les travaux de construction du bâtiment qui abritera la direction des recettes de la province du Lualaba évoluent très bien. C'est le constat qu'a fait la gouverneure en visite sur ces sites, Fifi Masuka. Les travaux sur cet immeuble moderne sont à l'étape de la peinture, la plomberie, mais aussi la pose des climatiseurs. Pour l'exécutif provincial du Lualaba, les personnels de ces services générateurs des recettes dans la province du Lualaba méritent un cadre adéquat pour travailler dans des bonnes conditions, comme nous l'a dit Alain Linoumamba dans son reportage. C'est un bâtiment intelligent de 4 niveaux plus rez-de-chaussée qui est sorti de terre dans la ville de Kolwezi. Il est destiné à servir de siège de la direction provinciale des recettes du Lualaba d'IRLU. Les travaux ont atteint à ce jour la dernière phase. Les ouvriers procèdent à la mise de la peinture, des installations électriques et la pose des climatiseurs. D'autres font déjà le crépissage et la plomberie. Les travaux se font de jour comme de nuit afin de mettre à la disposition du gouvernement Lualabais dans le délai cet immeuble moderne qui fera la fierté de la province cobaltifère. La régie financière provinciale évolue actuellement dans les locaux de location, ce qui pèse énormément au trésor de la province. En initiant ce projet, l'honorable Masuka Saini a résolu de mettre le personnel de ce service générateur de recettes au Lualaba un cadre moderne pouvant leur permettre de donner le meilleur de même pour l'intérêt de tous. Et en dehors des non-frontières, on s'est rendu au Tchad où un engin explosif a tué 7 soldats lors d'une patrouille effectuée à l'ouest du pays, près du lac Tchad. L'annonce a été faite par le président de la République intérimaire, Mohamed Debi Into, sur les réseaux sociaux. Il soupçonne les extrémistes de Boko Haram du Nigeria qui opèrent à la frontière du Tchad. C'est un commentaire signé Deborah Mousse. Le président par intérim, Mahamat Debi Itno, a annoncé le décès de 7 soldats tchadiens sur le réseau social. C'est un engin explosif qui a causé la mort de ces soldats lors d'une patrouille militaire. Les autorités tchadiennes ont déclaré qu'elles soupçonnaient les extrémistes nigériens de Boko Haram d'être à l'origine de l'attaque, ravivant ainsi les craintes d'une escalade de la violence près de la frontière. Il faut noter que la violence est revenue dans la région du lac Tchad après une période de paix consécutive à une opération réussie lancée en 2020 par l'armée tchadienne pour détruire les bases du groupe extrémiste dans cette région. Les écoles, les mosquées et les églises ont réouvert leurs portes et les organisations humanitaires sont revenues. Toutefois, la résurgence de Boko Haram au Tchad pourrait entraîner les répercussions sur l'élection présidentielle de mai 2024. Pourtant, cette élection reste décisive car faisant partie de la transition politique du pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par le Tchad que nous refermons complètement les portes de cette édition du journal. Merci à vous d'avoir été nombreux à vous être informés sur Digital Congo Télévision. Nous remercions également toutes les personnes qui ont concouru à la rédaction, mais aussi à la diffusion de cette édition du journal. Au revoir. Bienvenue à cette revue de presse. Crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Les présidents Félix Tshisekedi et Salva Kiir rappellent le respect des accords de paix, sujet à lire dans le journal Le Phare. Le quotidien signale que les deux chefs d'État ont lancé cet appel lundi à Kinshasa et ont mis un accent particulier sur la nécessité d'harmoniser et d'établir une complémentarité entre les deux processus pour une solution efficace et durable visant à restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'est
l'Est de la République démocratique du Congo et dans la région. Par ailleurs, répondant à une question sur la nécessité de construire des murs le long des frontières de la RDC, le président Félix Tshisekedi a estimé que cela n'était pas important parce que nous avons des milliers de kilomètres de frontières. Plus loin au journal de signaler que la motivation qui a conduit le président Salva Kiir ici, c'est la recherche de la paix. Il veut voir la stabilité dans la région et ne ménagera aucun effort pour y contribuer, a déclaré donc le président Félix Antoine Tshisekedi lors de cette conférence de presse organisée par les deux personnalités depuis le palais de la Nation. Revenons sur cette conférence de presse. Info 27 explique que les accords de Luanda et de Nairobi sur la paix en RDC et dans la région doivent être appliqués à la lettre. C'est autant dire que l'arrêt des hostilités, le dépôt des armes par les groupes armés, le retrait du M23, des zones occupées, pour ne parler que de ces questions-là, ne sont pas à ces jours une demande, plutôt une contrainte. Cette perception partagée par l'ensemble des acteurs de la sous-région, tout comme de l'Union africaine et de l'ONU, fonde naturellement l'opinion des présidents congolais et sud-soudanais. Ainsi, à l'issue de leur réunion consultative à Kinshasa le lundi 25 mars, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue du Soudan du Sud, Salva Kiir, ont lancé un appel pressant pour la relance des processus de paix de Nairobi et de Luanda initiés respectivement par la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, et l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont souligné l'importance d'harmoniser et de coordonner ces deux processus afin de parvenir à une solution efficace et durable pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la région. Et du quotidien Le Journal, l'on apprend qu'après l'étape de la RDC, le président Salva Kiir va poursuivre sa tournée en Angola où il va rencontrer le président João Lourenço dans le cadre de ses consultations. La crise sécuritaire dans l'Est de la RDC sera parmi les sujets qu'ils vont aborder. Il faut signaler que la position exprimée par les deux chefs d'État en conférence de presse a été également expliquée au cours d'un briefing presse organisé lundi, co-animé par le vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères et le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya, le chef de la diplomatie congolaise, dont des propos rapportés ici par l'ACP, agence congolaise de presse, a expliqué que la RDC n'attend pas de négocier sous occupation de qui que ce soit. La première chose, c'est d'obtenir que le Rwanda retire ses troupes du territoire congolais. Ensuite, obtenir que les Congolais rentrent dans leur domicile, à obtenir progressivement que l'autorité de l'État congolais s'installe et qu'il y ait un dialogue avec le Rwanda et non avec le M23, a déclaré Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères. Il a rappelé à cette occasion le passage du président de la République, Félix Tshisekedi, à Addis Abeba à la réunion du Conseil de paix et de sécurité aux discussions avec le président de la République d'Angola, João Lourenço, facilitateur désigné de l'Union africaine, et le sommet de Lusaka auquel Félix Tshisekedi a pris part. Le vice-premier ministre Lutundula a ainsi expliqué la vision de la solution de la crise que connaît la RDC. De toutes les façons, l'Union africaine a désigné le président angolais comme facilitateur du dialogue interne, mais avec le Rwanda. Et cela doit se faire sur des problèmes réels. Chaque partie doit dire quels sont ses problèmes et on en discute carte sur table. Nous avons posé le problème de la tragédie humaine. Nous avons posé le problème de la nécessité de constituer une garantie de bonne fin du dialogue et de mise en œuvre des résolutions ou des recommandations. Pensez aussi à des mécanismes préventifs qui feraient qu'il n'y ait plus de conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, a fait savoir Christophe Lutundula. Et terminons avec le journal Alerte Plus qui révèle au niveau de la province du Tanganyika, l'Union sacrée se déchire dans la course au gouvernorat. En effet, écrit le journal, si dans toutes les autres provinces du pays, l'Union sacrée est parvenue à un consensus autour des personnalités devant former des différents tickets qui défendront ses couleurs aux élections des gouverneurs de province, au Tanganyika, les membres de cette méga plateforme présidentielle se rentrent dedans et personne ne veut se désister en faveur de l'autre. Résultat de ce déchirement, deux tickets se réclament le statut de ticket officier de l'Union sacrée. Il s'agit du ticket de l'honorable Nadine Katumbwe Banza, soutenu par l'UDPS et son secrétaire général Augustin Kabouya, ainsi que par l'Union sacrée, et celui de Sophie Kakoudji, une indépendante qui a la bénédiction de la mosaïque UDPS et le parapluie politique du VPM de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, de Bahati Lukwebo et du DIRCAP du chef de l'État, Guylain Nyembo. À côté de ces deux prétendantes, il y a une succession de candidatures enregistrées émanant de tous les cadres de l'Union sacrée. Parmi ces candidatures, on trouve, explique le journal, celle du député provincial Christophe Kitambala, cadre de l'UDPS, qui est soutenu, lui, par les organisations coutumières du territoire de Moba. Moba qui refuse de subir cette fois-ci la domination du territoire de Kongolo, dont les ressortissants ont dirigé la province du Tanganyika depuis le démembrement. Il y a également celle de Ferdinand Massamba ou Amassamba de l'AFDC qui vient de diriger la
province comme vice-gouverneur avec un bilan peu élogieux. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.